Comme vous le voyez dans le titre de cette création du monde, pour Ratchet & Clank Edition 2. Cette fois, on va pas faire comme la dernière fois, on va pas faire un achievement par épisode, parce que c'est un peu de la merde, un achievement par épisode. Je vais faire des épisodes d'à peu près, ça dépend, 10, 15, 20 minutes, ça va tout dépendre. Tout va dépendre de, comme j'ai envie, en fait. Donc là, le monde se génère tranquillement. Voilà. Je suis en solo. Parce qu'en fait, je fais ça parce que ma connexion bug, ok. Alors. On est dans un biome Roofed Forest. Voilà, Roofed Forest. Oula. D'accord. Il y a pas mal de lag, je vais peut-être, Ouais, voilà, c'est bien. Il y a un prochain refrain. Ok. Ok, on est pas bien. Ouais. Encore, mettre à 30, c'est pas vrai, 30. Hop, deux chunks. Non, deux chunks, c'est pas assez. Si, c'est pas là. Allez, c'est pas mal, hein. Ça va s'améliorer, on va dire. Alors, hop, taking à Motori, ça c'est fait. Bah, tu es là, t'en explores un peu. Ça va, pas mal de bois, on en a pas 8. Parce que, yolo. Il y a des poulets, parfait. Donc, du coup, je vais déjà essayer. Oula. Déjà, prendre du bois pour me faire des outils. Et donc, tuer les poulets. Alors, donc, getting wood. Donc, dans le premier épisode, il y aura plein d'achievements, mais c'est normal, ça, c'est parce que les achievements du début sont faciles à faire. C'est bon, là, c'est de bois. Hop, de craft. On va chercher de la pierre. Direct. Faut avoir une grille game, hein. Grave. 1, 2, 3. On va au petit bois. 1, 2. 1, 2. Non, merde, j'ai pas cru. 2, 3. 3 et 1. Merde. Hop. Tac tac. Hop. Une pioche. Une hache. Une pelle. Et une épée. Voilà, pilacé. Tout était prévu. Hop. Hop. On a tout ça. Le reste de l'arbre. Bon, je vais pas prendre tout l'arbre parce qu'il est un peu trop gros, mais c'est pas grave. Donc là, on a déjà fait Taking Inventory, Getting Wood, Benchmarking, Time to Mine, Getting Proud et Time to Strike. Donc on est pas mal. Alors, le prochain Chemon, ça va être, je pense, Hot Topic. Ouais, Hot Topic. Difficulté, je suis en quoi comme difficulté? Je vais me mettre en arbre parce que, voilà. Tant qu'à faire, hein. Autant faire les choses bien. J'aurais pu mettre en hardcore, mais bon, c'est pas... En fait, c'est la même chose, hardcore et hard, c'est vraiment pareil, quoi. Juste que quand tu meurs, t'as quand même. Bon, ça, c'est pas mal, mais moi, j'aime pas trop, parce que... Dans Minecraft, il y a beaucoup de fois où quand tu meurs, c'est à cause de... Soit, pas à cause de lag, mais enfin, si, ça se peut, quoi. On peut mourir à cause de lag, on peut mourir à cause de malchance, genre... le bug s'est pas placé quand j'étais en train de faire un pont dans la lave pour aller à la forteresse du Nether, machin, c'est con, je suis mort à cause de ça. J'ai perdu ma partie, j'ai tout recommencé, c'est con. Voilà. C'est con. C'est un peu comme quand t'es dans un KTP, sur un serveur public. Et puis que t'es bien dans la game et tout. Puis que tout d'un coup, tu vois Internal Java Exception, un truc comme ça. Tu te fais déconnecter, puis t'arrives, tu te recos sur le serve. Puis t'es dans le menu principal, t'essayes de rejoindre ta partie. Puis tu fais, oh, faut pas se connecter et tout. Puis tu demandes aux admins, ouais, pourquoi on peut pas se reconnecter au KTP. Ils font, oh, quand tu te déconnectes, c'est que t'as perdu. Ouais, gros bâtard, quoi. Bref, je vais pas parler du serveur Sama Game. Je vais pas parler de ça. Au moins, Phoenix Rebirth, c'est un serveur. Enfin, c'est un serveur. Il y a des lags et tout, un peu comme maintenant sur cette vidéo. Sur le serveur. Enfin, le serveur est lag, voilà. Mais au moins, quand tu décodes du KTP, tu peux te reco, quoi. Ouais, c'est bien. Genre, quand t'as une connexion de merde comme moi, t'es lag et il te coûte pas la vie.
Voilà. Parce que si dans le vrai Hunger Game, genre le mec il est là, il fait oh bah. Bah tiens, toi t'as une connexion de merde, bah t'es mort dans le Hunger Game. Bon. C'est un peu de la merde qu'un exemple, mais voilà quoi. Ouais. Bon, bah y'a des cochons aussi, du coup c'est bien. On peut prendre du bois normal, parce que j'ai déjà du bois de Woofers. Woofers Force, ouais. Ouais, je dois apporter 20, 26. Cool. Hop. Voilà, comme blague. Une soirée sur Forum Wordy. Bref, non, c'est pas une grotte ça. C'est un semblant de grotte, c'est-à-dire une grotte ninja, mais ça veut rien dire. Alors, donc là, oh putain, hop. Oh bah c'est encore pire en fait. Merde, c'est l'océan. On passe sous l'océan. Oh, bon. On passait par au-dessus, c'est toujours cool. Ouais, on s'amuse en passant au-dessus des arbres, au calme. Bon. Ok, alors, donc, ah ouais, alors pour la chaîne, je vais parler des vidéos, parce que, ouais, je vais refaire quelques vidéos en ce moment, je sais que ça va faire. Alors, je vais upload Kill the Pipito. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, t'es sérieux, t'as cru t'allais te cacher dans un arbre. Je vais upload Kill the Pipito saison 4, sur ma chaîne. Avec, donc, j'étais avec Gasp, ouais, Rage Gasp, et Fredou. Alias Mister HS, alias comme vous voulez prononcer. Voilà. Donc j'étais avec eux, puis on s'est bien amusé pendant ce KTP. C'était bien marrant, on a bien rigolé. Avec Fredouche qui s'est. C'était marrant quoi. Bref. Je vous conseille d'aller voir la série parce que c'était une série bien. C'est une série bien fun à regarder. Franchement, j'ai adoré la tournée, j'espère. Et au moins j'ai pas. J'ai été surpris parce que j'ai pas eu de lag de connexion ni de comme ça là, de lag de d'ordi. Bref. Il y a pas eu de lag quoi. Du coup, c'était cool. Après il y aura aussi une série sur Hearthstone. Enfin, j'avais fait on avait commencé la série Total vs Hippolador sur Hearthstone, mais bon, je sais pas ce qu'on va faire. On n'a pas trop de motivation pour continuer. Du coup, je vais peut-être faire sur Hearthstone, bah, pour ceux qui s'intéressent à Hearthstone, parce qu'après, principalement, je fais du Minecraft sur la chaîne, du coup, voilà. Mais bon, tant qu'à faire, autant publier des vidéos d'Hearthstone, quoi. Enfin, autant le publier sur cette chaîne, quoi. Je vais pas me créer une chaîne exprès pour Hearthstone. Enfin bref, on commence à creuser parce que là on trouve rien dehors. Oh, bah tiens, faire tout ça. Donc je disais pour Hearthstone, ouais, je vais faire peut-être quelques parties contre Iom. C'est un gars que j'ai rencontré dans un tournoi. Voilà. Donc on va faire des parties ensemble. Un BO5 pour commencer, après on verra. Oh nice, tu charbon. Donc j'attends de l'eau. C'est peut-être l'autre dehors, mais bon. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ok. La table de craft fantôme. Allez, nantièmement. Au revoir, c'est tout le monde. Non, je vais pas faire comme avant, parce que c'était bien de la merde, ça. Mais. Ok. Les trucs, quand tu les poses, ben, ils font... Ouais, je suis là, je suis pas là. Alors, je suis pas là, là. Voilà. Je vais refermer l'entrée avec du bouet. Bleh. Parce que c'est cool le bouet. Ouais, donc là. Hop, attendez. Je regarde. Ouais. Non, en fait, vous savez, genre les gens. Les pros, comment dire. Les youtubeurs quand ils font ça là, hop, et qu'on voit leur skin là, qui fait oh je regarde en bas, je regarde si mon record se passe bien et tout, je suis à combien de temps de vidéo. Pas du tout, bah moi, quand je fais ça, bon là je peux regarder mon record, mais non, c'est pas ça que je fais. Quand je fais ça, c'est que je regarde une page internet. Et en fait, là, pour tout vous dire, je vais regarder le live d'Aipierre, si ça vous intéresse. Bref, on s'en bat les couilles en fait.
Oui, c'est en plus c'est trop bien parce que c'est qualité 240p. Et puis que, comme j'ai dit, j'ai une connexion de merde. Enfin bref, c'est pas grave, hein. Bon, de toute façon, je regarderai juste ce qui se passait. Vous allez pas m'en vouloir, hein. Ouais, il y a beaucoup de charbon, là. Ah merde, faut que je me fasse un four de bouffe. Hop, oh, il fait nuit. C'est triste. C'est la nuit noire. Ouais, ok. Encore un achievement, bien. Du coup, il y a du fer là. Hop. Du gravier. Pourquoi je le prends le gravier? Parce que je ne sais pas. Encore du charbon, c'est bien. Charbon. Ouais. Hop. Ah, j'ai pas mal de plumes. Ça va être cool pour battre les dragons. Alors, hop. Hop. Voilà, là on est déjà à peu près, on doit être à 10 minutes de vidéo à peu près, ou 11. Je vais... Non, je vais pas bientôt arrêter. L'épisode 1, il va durer, je veux comme je vous dis, 15 minutes. Bon, ça dépend là, pour l'instant, il n'y a pas de raison d'arrêter. Je change un peu de l'eau. Je sais pas s'il y a une grotte pas loin. Bien. Bon, en même temps, j'entends de l'eau, mais bon, avec tout, avec le ventilateur de mon ordi qui fait bouh, voilà. Je sais pas ce que j'entends. Hop. Oui, du coup, comme tout à l'heure, je parlais de Kings of Equity saison 4. Ok. Il y aura, la diffusion, ce sera tous les 4 jours. Donc, ça va commencer le mercredi. Ok, là, j'entends des zombies. Ça commence mercredi de la rentrée, donc le 7, mercredi 7 janvier 2015, ok, donc là, il y a clairement des mobs quelque part. On va aller chercher, longtemps par là. Hop, voilà. Voilà, donc aussi, sinon, pour parler de ce que je fais en ce moment. J'ai envie de faire des vidéos sur... comment ça s'appelle, sur la PS3, mais bon, j'ai pas envie d'acheter un game capture truc là. Du coup, j'ai fait j'ai fait le concours de Sifano parce que j'ai vu qu'on pouvait gagner des trucs pour des HDP VR, tout ça. Du coup, ben en fait, si je gagne le concours de Sifano, ben je vais faire des vidéos sur la PS3. Puis sinon, non, tant pis. Voilà. Donc sur la PS3, ce serait comment ça s'appelle, One Piece Pirate Warrior 2, parce que en fait j'y jouais, ça fait 2 ans que j'ai joué et j'y avais jamais trop joué, puis finalement j'ai joué il y a pas longtemps, c'est vachement bien. Après, en solo c'est pas top, j'ai peut-être joué à deux avec un pote ou avec je sais pas qui, je verrai, on verra. Hop, alors là je jette de la merde, donc ouais, je vais me refaire une pioche. Je vais dire que j'ai pas beaucoup de bois, mais en fait ça va, tranquille. Bon, on va se faire une planche en fer, hein, écoute. Hop. Et du bois, bon, ça je vais le faire. Tac, tac. Ok. C'est comme c'est... Vous pouvez pas savoir comme c'est agréable de jouer en solo sans aucun lag. Parce que franchement, quand je suis sur des serveurs, je lag comme un gros porciné. Voilà. Tiens. Super. Hop. Donc en attendant que ça cuise, je vais faire de la merde. Oh bah. Bah tiens. Super. Oui, ça sert de creuser des... De vouloir creuser des trucs comme ça. Comme je le disais dans la catégorie Minecraft, il faut que ce soit des mines réglementaires. Vous savez ce qu'on dure à 1 heure tous les jours? Non? Ah bah tant pis. Ouais. Je crois que je fais de la merde. Pas grave, au pire. J'ai un squelette, il me fait dehors. Voilà. Ça c'est dit.
Je vais finir de faire cuire ça et je vais dire je vais vous dire à la prochaine pour le prochain épisode, parce que là ça fait déjà 15 minutes. Donc sur ce creusage intensif de minage, l'orage de mon minage, je vais vous dire au revoir tout le monde pour cet épisode 1. C'était Totei, à plus, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Et on a trouvé une grotte, suspense.